Mais il est sérieux où il l'a posé? T'es sérieux, bébé? C'est infect. Il a dit c'est infect. Il est sérieux. Mais il est sérieux où il l'a. Parle doucement parce qu'il dort, j'ai pas envie de le réveiller. Sais pas si vous entendez. C'est ma machine. En fait, je dois faire une machine par une machine pour ses vêtements. J'ai trop peur de le mettre dans tout et mettre les feux qui séparent, mais ça tue. Du coup, bah, je fais son pull une par une. Je vais l'éteindre. Non, c'est éteint tout seul. Parfait. Mon bac rose, j'HDR. Et comme ça. Comme ça, comme ça. Pas ta cheveux. Genre mon lisseur quand j'aurai des cheveux. Pour la peau. Tout ce qui est en rapport avec mes cheveux, faut juste que je rajoute les élastiques. Le love il est en bas, je le laisse en masque. En après-shampoing en masque. Je l'utilise vraiment pour plein de bacs, faut vraiment pas. Mes gummies. Je les laisse en cuisine parce que sinon je vais oublier de les prendre. Au moins en gummies, je me lève, je les prends en direct. Et voilà. Alors que là, je sais que si je vais là, je vais tout trouver. Soumise de quoi? Parce que j'ai pas envie de le réveiller. Vous êtes des malades, vous. Je suis pas soumise. Hein. Soumise. En fait, le gommage que j'ai utilisé, c'est de cette marque-là. Masque. Vous avez le shampoing réparateur. Je vais vous. Ouais, je vais vous donner la réduction pour l'achat. Deux mains gauches. Deux mains gauches. J'espère que ça va partir. Merci mon amour, mais mon amour, en fait, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais expliquer quelque chose à tous mes amours. Moi, je suis une fille de base, je parle très mal, j'ai la bouche sale. Et ça fait depuis quelques mois, je fais un travail sur moi-même. Et aussi mon mari, parce que moi, je trouve que c'est pas joli une fille qui crie, une fille qui parle mal. Mais j'ai compris après, en fait. Et mon mari non plus ne veut pas me voir lâcher une insulte ou mal parler et tout. Il me dit ça fait homme. Et donc, je fais le travail sur moi-même et tout.
Sauf que je peux pas répondre à ce genre de truc comme avant parce que je sais très bien si j'ouvre la porte et je réponds comme avant avec ma bouche sale, je vais avoir l'habitude tout le temps. Et en fait, je vais perdre le travail que je suis en train de faire sur moi-même, je vais le perdre et ça veut dire tout le temps je vais avoir la bouche sale et tout. Ça veut dire bah je prends sur moi, ça me fait mal au cœur et je laisse comme ça, je m'en fous. Je m'en fous. Mieux vaut ça que je perds ce que je suis en train de faire le travail sur moi-même. En fait, notre âme, c'est notre plus grand ennemi. Genre, on doit combattre notre âme. Et notre âme, c'est la plus dure à combattre. Et je sais que si, moi, par exemple, c'est mon défaut de mal parler, j'ai une bouche sale. Bah, je sais que je me suis remise en question et j'ai arrêté de le faire depuis des années. Des mois, pardon. Pas des années, je suis une menteuse. Des mois. Depuis quelques mois, j'ai arrêté de le faire. Et je sais que si j'ouvre ma bouche, bah, ils vont me faire perdre le travail que je suis en train de faire sur moi-même. Ça veut dire que je rentre pas dans leur jeu. Ils m'auraient dit ça 6 mois en arrière. J'aurais grave ouvert ma bouche. Mais je peux pas. Je peux pas parce que j'ai pas envie. C'est pas beau, une fille qui parle mal, qui insulte et tout. Énouve-toi. Je veux que je fasse quoi si je fais pas les chignons? Énouve-toi. Moi, tous mes pyjamas, je les achète à Primark. En train de se foutre de moi, il dit je suis en blanc, j'ai pas une tache, regarde-toi. Parce qu'en fait, j'ai là. Regardez, genre. Genre, j'ai là. C'est une blague. J'ai vraiment deux mains gauches. Hier, on a réussi, vous vous rappelez. Je dormais contente hier. Hier, on L'adoucissant, les filles, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais essayé. La lessive, j'ai déjà essayé. La formule. Mais l'adoucissant, jamais. Je vais essayer. La formule, j'aime beaucoup. Ça sent le savon. Les deux. Ouais, les deux. Ah, non plus, j'ai jamais testé lui de l'adoucissant de chez Action. Jamais. Ah, non plus. C'est des box personnalisées, les filles, que vous voulez offrir en cadeau à votre famille ou pour vous-même. Donc là, il y a une box personnalisée avec Yousra. Écrit Yousra. Regardez les filles, je vous mets là. J'ai posé tous les trucs sur la. Là, comme ça, bah, je vais dresser la table. Alors. Déjà, j'ai mis la machine là. Voilà. Ça, c'est les assiettes. C'est le fromage, je vais mettre là. J'ai tellement coupé plein de fois que j'ai tellement peur là.
Regardez les fruits, si je mets dans des assiettes, là c'est marqué nature, le goût nature, goût d'antan, mais c'est pareil, hein. Et goût trois poivres en fromage. Mais en fait, j'ai peur si je mets, ben, il va pas reconnaître en fait ce qu'il va manger. Présentation. J'ai rien à dire. Note. 12 sur 10. 12 sur 10 ? Ouais, les viandes, elles sont pas brûlées. Bah, je sais pas. Je sais pas beaucoup cuit, bébé. La charcuterie, c'est toi comme ça. Du poulet. T'aimes bien ? T'es mis tes sauces là. On va passer à l'attaque. Tu t'es mis tes sauces là, bébé. Ouais, je vais me régaler aujourd'hui. Tu comptes ?